Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle démonstration de Bokeh. Aujourd'hui, nous allons parler du connecteur de bibliothèque numérique Arcanum. Donc, Arcanum fournit un outil de mise en ligne du patrimoine numérisé et vous pouvez connecter Bokeh à cet outil via la bibliothèque numérique. Donc pour cela, dans le menu d'administration de la bibliothèque numérique connecteur, vous pouvez accéder au tableau de bord du connecteur Arcanum. Et à ce moment-là, vous pouvez paramétrer l'URL du serveur OAI que Bokeh devra moissonner et vérifier que le batch est bien activé. Donc lors des traitements quotidiens, Bokeh moissonnera ce serveur et importera les albums dans la bibliothèque numérique. Donc ces albums se retrouveront côté collection et il y aura une collection racine Arcanum dans laquelle vous retrouvez des sous-collections. Il n'y en aura autant que de types de documents fournis par le serveur OAI de Arcanum. Et si vous allez inspecter un album importé côté Bokeh, vous verrez un certain nombre de données importées, notamment le titre, les vignettes, auteur, la description et un certain nombre de métadonnées. Côté recherche, Bokeh créera autant de types de docs que de types de documents côté serveur OAI. Et facettera différentes métadonnées importées, par exemple les auteurs. Quand vous allez sur la notice, vous retrouverez un certain nombre de, blocs, telle une notice de livre physique comme d'habitude, donc une description et en particulier le player Arcanum qui sera dans un iframe. Et vous aurez un lien pour accéder directement à la source d'origine sur le serveur d'origine. Évidemment, Bokeh sera capable de faire différents enrichissements, notamment le bloc voir aussi, ou les liens avec des biographies Wikipédia enrichies dans Bokeh. Voilà. C'est tout pour cette démonstration, merci de l'avoir suivi et à bientôt pour une prochaine démonstration Bokeh.